How to be an MC. Ouais, là maintenant, je bosse sur ma mixtape. C'est pour lancer ma carrière, non seulement lancer ma carrière en solo, mais c'est également pour annoncer la sortie de mon prochain album. Ce sera bien sûr mon premier album solo. C'est quoi notre album alors? Et qui joue l'album dans Relais? C'est La Posta. Yo, La Posta, Posta, Posta. Ouais, La Posta. Je travaille dessus. Puis, en fait, à travers cette mixtape, ce projet d'album, bien sûr, ce que je prévois, c'est de sensibiliser le plus de monde que possible par rapport, bien entendu, à ma perception du monde en tant que jeune. En fait, très cosmopolite dans la mesure où, à travers mes voyages, j'ai appris pas mal de trucs, notamment j'ai une autre acception maintenant du succès, de la notion de succès, de la notion de réussite. En fait, je trouve que je peux pas garder ça pour moi tout seul. J'ai envie de l'exporter un peu vers d'autres jeunes, vers d'autres horizons, faire palpiter d'autres cœurs, notamment non seulement dans le milieu francophone, mais également dans le milieu anglo-saxon, etc., en Amérique latine, en Afrique, un peu partout, comme je l'ai dit. Et en fait, c'est ça l'objectif principal, c'est faire atterrir le message dans beaucoup plus de territoires possible. Mais comme je prends l'habitude de le dire aussi, c'est que, puisque la musique n'a pas de patrie, ça n'a pas de terre, la musique c'est franchement, selon moi, ce qui nous unifie dans le monde. Si on parle de village mondial, c'est surtout à travers la musique, c'est pas totalement l'internet, écoutez, les frontières existent quand même. Mais moi, je pense que à travers ma musique, j'ai un truc franchement spécial à faire passer. Et j'espère qu'ils seront pas insensibles par rapport à tous ces problèmes-là qu'il y a en filigrane, en fait, à l'échelle planétaire, que ce soit concernant l'écologie, la politique, des problèmes systémiques, des problèmes systématiques, bien entendu. En fait, c'est un peu tout ça que je rassemble, ok, pour faire des textes en mosaïque. Donc pas des textes prosaïques, mais des textes en mosaïque, bien entendu, et pour pouvoir toucher le plus de monde que possible. Ah ben, je vous apporte ça chez toi, dans ton sofa, installe-toi et écoute. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, c'est que mon rôle en tant qu'artiste, en tant que rappeur, c'est aussi mon rôle en tant qu'intellectuel. En fait, je m'implique beaucoup dans les affaires culturelles, notamment par rapport à mon pays, en tant que citoyen, bien sûr. Citoyen d'Haïti, citoyen du monde, quoi. Déjà, à côté de la musique, moi je donne beaucoup de conférences. Je partage un peu mon savoir, ma science, mon savoir-faire, disons. Dans le domaine de texte, je fais des ateliers. Je participe avec des jeunes dans des activités culturelles, notamment soit ça a rapport avec le théâtre directement ou avec la musique ou avec d'autres genres de trucs qui ont rapport avec le hip-hop, soit la danse, la chorégraphie bien sûr. Et aussi je m'implique énormément dans la formation de jeunes, formation à distance, notamment je travaille avec des organisations dans ce niveau-là. Notamment la FONEP, je peux citer. Puis, voilà, également avec ma musique, des fois on a l'habitude de faire des caravanes. Des caravanes, c'est-à-dire partant de la capitale, notamment Port-au-Prince, pour aller vers les provinces, les zones un petit peu plus ou moins reculées, où il y a aussi ces gens-là qui sont en quelque sorte assoiffés d'informations, de connaissances, de ma musique, tout ça. Ils veulent partager avec moi, tout comme les Haïtiens d'outre-mer. Ben moi, des fois, je m'exporte un peu hors de chez moi, de mon domaine, quoi, pour aller partager avec eux, aller aussi leur expliquer, quoi, ce que je fais et montrer aussi, mettre l'emphase sur l'utilité, sur la pratique, voilà. Et c'est à ce niveau-là, bien sûr, je m'implique dans les affaires culturelles, notamment de mon pays, et les affaires sociales et sociétales, quoi.
Ben ouais, c'est mon boulot en tant que musicien, en tant qu'intellectuel, et surtout avec le regard que j'ai par rapport au système, par rapport à la société. Il faut franchement que j'arrive à déposer un chouïa de trucs concernant ma perception du monde. Vous êtes surpris, hein? Vous êtes franchement surpris que je vous ai donné le nom de l'album, c'est l'Aposta. Ouais, l'Aposta. Et la mixtape, c'est juste les balances, c'est-à-dire je fais d'abord les balances, et puis après le show va commencer avec l'Aposta. Je vous donne le titre de l'album, mais c'était un secret jusqu'à aujourd'hui. En fait, ça reste quand même un secret parce que je sais que à la base, vous n'allez pas partager ça. Mais c'est ça. Moi, je dis souvent, écoutez, je vous fais quelques rimes. Un rap positif, c'est un rap critique et libre. Le seul représentant en Haïti, c'est Calibre. Ces bribes de phrases, c'est pas pour me faire des éloges, mais c'est pour vous dire, vous qui êtes en premier loge, que je suis le seul à avoir du cran pour exposer tout ça dans l'écran. Dans ce texte,